Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le chaudron. Aujourd'hui, dans la marmite, un roman qui s'intitule Les Longueurs, écrit par Claire Castillon, qui est une autrice pour adultes et pour la jeunesse. Ici, ce roman a été édité chez Gallimard en 2022, dans la collection Scripto. Il s'adresse aussi bien au public adulte qu'adolescent. Alors l'histoire. Alice, dite Lily, vit seule avec sa maman depuis le divorce de ses parents et le départ de son père pour les États-Unis, père qui a d'ailleurs refait sa vie. Fort heureusement, la maman d'Alice peut compter sur son meilleur ami George, dit Monjo. Il fait office de figure paternelle et d'entraîneur pour la petite Lily. Mais malheureusement, le loup est entré dans la bergerie et 8 ans ont permis au prédateur de soumettre Alice à ses volontés psychologiques et sexuelles. Voici un roman fort par le sujet et par les mécanismes mis en place par un adulte sur une petite fille. Au départ, la forme m'a un peu déroutée, dans un premier temps, puisqu'on est pris tour à tour dans un tourbillon de faits, d'actes, de mensonges, d'événements, qui sont donc racontés par la voix d'une petite fille, qui mûrit petit à petit au fil des pages. Et puis, dans un second temps, on est alors pris dans la toile d'araignée, on est groggy, on est anesthésié. Donc c'est un bon roman sur le sujet de la pédophilie, qui est abordé avec tact, malgré la violence du sujet. Je le recommande vivement, mais pour en discuter ensuite, et vous imaginez bien que c'est un public averti. Alors je vous dis à bientôt dans le chaudron pour de nouvelles lectures et surtout peut-être une lecture peut-être un petit peu plus douce que celle-ci. En tout cas, à très vite. Bye bye.